marqué d'un saut spécial, le dépôt des gerbes qui aura lieu le 1er août prochain est le motif des hommes en uniforme. Ils ont tous ce matin investi la place Hubert Kutukumaga. Depuis le 28 juillet, ils s'évertuent à offrir une cérémonie de dépôt de gerbes réussie. Pour raison de la pandémie liée à la COVID-19, le défilé militaire et civil n'aura pas lieu. Aujourd'hui, ce sont les derniers réglages pour une parfaite cohésion des gestes. Et comme cette année, le défilé militaire n'aura pas lieu, tout se résume au dépôt de gerbes et c'est cela que nous préparons à travers les trois séances de répétition que nous avons eues depuis le 28. Donc c'est la dernière répétition ce matin. Et donc après cette journée, rendez-vous le jour juste tardi le 1er. Toutes les composantes militaires et paramilitaires présentes sur le territoire de Parakou sont conviées à ces séances d'entraînement. Nous avons sollicité toutes les entités, toutes les forces présentes dans la garnison de Parakou, notamment les unités de l'armée de terre. Quand je parle des unités de l'armée de terre, je vais nommer les unités du 2e bataillon Interam, la compagnie départementale des sapeurs-pompiers. Donc ces deux entités sont de l'armée de terre. Au côté de l'armée de terre, vous avez un détachement de la police républicaine, un détachement des eaux et forêts, un détachement de la douane. Le dépôt de gerbes se fera en deux lieux. Le premier à la place Hubert Kutukumaga et le second au mausolée du père de l'indépendance. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.